unaweza kuchapia Bwana kikelekele. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Au nom puissant de Jésus. Vile uliingia ina vile unatoka. Barikiwe mjina la Yesu. Que tu sois béni au nom de Jésus. Kama ulikuwa na lahana, si tu étais venu avec la malédiction, tu n'as pas rentré de la même manière. Ta vie doit changer. Maïsha Yako n'a pas changé. Maïsha Yako n'a pas changé. Ta vie doit changer. Neba yo amile lenge mo maisha yako. La grâce de Dieu entre dans ta vie. Neba yo ambibi kale mo maisha yako. La grâce de Dieu entre dans ta vie. La sorcellerie qui t'enfermait tombe au nom de Jésus. Et la joie du Saint-Esprit soit dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Est-ce que tu laisses une petite larme à l'île de l'île? Rocher du salut, mon barikiwe, mon chine à la voix. Rocher du salut, soyez bénis au nom de Dieu. Il quoi qu'à date moya? C'était à une date. Le mungu alinipatia ka onyo. Que Dieu avait donné la vision à papa. Il y a église centre évangélique rocher du salut. Pour l'église centre du salut, rocher du salut. Je crois qu'à tini pata que le onyo. Au moment qu'il avait reçu cette vision, il a eu à parler avec certains serviteurs de Dieu. Il y a les autres qui l'ont accepté et les autres qui ne l'ont pas accepté. Il était à la montagne de Kawama. Il a commencé à prier. Il a jeûné. Il a prié autant de jours. Le Seigneur m'avait convaincu. Mungu akamua kikisha. Ya kwanza onyo ya rocher du salut. De commencer la vision du rocher du salut. Na rocher du salut wakati nilikuwa nasungumuza na Mungu. Et rocher du salut au moment qu'il parle avec Dieu. Akanipatia psaume 89. Il lui a donné psaume 89. Verset 25 à 27. Verset 25 à 27. Je parle ton attiré rocher du salut. C'est là qu'on a tiré rocher du salut. Comme on a sommé le chapitre yote mujima. Si tu lisais le chapitre tout entier, utavumula moko siri monene sana ya Mungu na Daruiti. Tu vas découvrir qu'il y avait un grand secret. Mushikie batoto ba mwamba wa wokovu. Écoutez les enfants du rocher du salut. Mwamba ni Yesu. Rocher c'est Jésus. Na Yesu analeta wokovu. Et Jésus amène le salut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu as mon Mikono? Le 25 juin 2017, j'arrive. Le 25 juin 2017. Paka le 2 juillet 2017. Jusqu'au 2 juillet 2017. Il est 8 jours. C'est 8 jours. Et quoi un jour? Machiku ya ouverture ya église évangélique Rocher du Salut. C'était le jour d'ouverture de l'église Rocher du Salut. Tulifanya mandamano mpaka leo tunaendelea. Ils se sont battus jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Ninashukuru Mungu. Je bénis le Seigneur. Mirianja onyo mipeki. Il a commencé la vision lui seul. Mais kwa siku ya leo. Mais aujourd'hui. Mishi na tena peke. Il n'est pas seul. Mina kwa na batoto. Il amène des enfants. Bwana apewe sifa. Que Dieu soit loué. Bwana barikiwe. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? On peut acclamer le Seigneur des Seigneurs. Mina kwa na batoto. Aujourd'hui il a des enfants, mais non? Ba rocher du salut. Des rochers du salut. Apana batoto bale. Mie shikone shinjia ya Mungu. Apana. Bantu bale mina beba beko ba abana abajue Mungu mina bafundisha Mungu leo banakuwa batumishi ba pasteur pa ma paroisse yetu.
Ce ne sont pas les enfants à qui il n'a pas montré le chemin de Christ, mais ce sont les enfants qui lui-même a montré le chemin de Christ. Il les a encadrés et aujourd'hui, ils sont maintenant des pasteurs. Tout en poké à quoi nja bien-aimé Joseph Chimena. Aujourd'hui, on va là, on va recevoir notre bien-aimé pasteur. Le pasteur. Ouais, église Roger du Salut. De l'église Roger du Salut. Côté autoroute. Du côté autoroute. C'est bien. On acclame. Bijana Simba Tatu. Les trois jeunes lions. Imwaka ya 2024. Cette année de 2024. Batafanya tena kazi kupita. Ils feront le service plus que ça. Itenda mbari zaidi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Tout à fait, ma texte est tout de base. Nous allons prendre notre texte de base. Il est ma église yotu yote ta semeya. C'est que toutes nos églises des rochers du Sali vont parler tout au long de l'année. Thème central et la communauté. C'est notre thème central de la communauté. Le pasteur va prendre ces thèmes et plus loin. Et ils iront avec ça plus loin. Psaume 119, verset 17. Psaume 119, verset 17. Njotem il est tu yanjaka na yo rocher du salut. C'est le thème que nous avons eu à commencer avec rocher du salut. Je pense que tu te souviens de ce thème. Parce que quoi qu'un modérateur me cache. Amen. Très bien. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Parole du Seigneur. Amen. Clamons le Seigneur notre Dieu. Son piquet, nous nous connons. David est l'homme selon le cœur de Dieu. David Mutu selon Roya Mungu. David a grand fanya maombi. Il a commencé à prier. David a koukwe nasema sasa Mutu o ote. David ne parlait pas comme tout un chacun. Mais David parlait. Mais David, à quoi qu'on a sémé, en se connaissant que je suis un serviteur de Dieu. Rocher du salut. Soyons des serviteurs et des servantes de Dieu. David anajikuta mutumishi wa Mungu. David s'est retrouvé serviteur de Dieu. Et dans sa prière, na maombi yake. Il dit à Dieu créateur. Et qu'on a monné chez Mungu Mumbaji. Baba unifanishe mema. Dieu fais-moi du bien. Nipate uzima. Que je puisse trouver la vie. Mie David. Moi David. Mitakuya mwangalish. Je serai le serviteur. Mwangalish wa neno lako. Le serviteur de ta parole. C'est lui qui va observer. L'observateur de ta parole. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Il y a deux choses principales. Kuko bintu biwili bya maana. Kitu kya kwanza. La première des choses. David. Il demande à Dieu. Akamuomba Mungu. Mie mutumishi wako. Moi ton serviteur. Donne-moi la vie. Ah. Kweli. Amen. Bushima. La vie. Bule tukonab. Ce que nous avons.
C'est lui qui nous a toujours donné. Là où ça provient, c'est à Jésus-Christ. L'Éternel. C'est lui qui nous donne la vie. C'est comme ça que David, dans le problème qu'il avait, David a commencé à dire à Dieu, c'est mieux que tu me fasses grâce. Tu connais les bontés. Si ça entre dans la vie de quelqu'un, vous allez constater que quelqu'un n'aura pas de soucis. Et vous allez constater que la personne aura la joie. La joie fait disparaître le souci. Et le souci provient aux mauvaises choses. Mais si la bonté vient, ça efface le souci et ça amène la joie. Et ça amène la joie. Je viens de voir dans la Bible, il y avait une mère. Son nom Anne. Anne était en train de pleurer. Qu'elle puisse aussi donner. Mais au moment où la bonté est arrivée dans sa vie, Anne a commencé à sourire. Laisse-moi te dire, Rocher d'Israël. Année 2023. Parfois, ce n'était pas bon à toi. Il y a un problème. Ça a été problème. Mais aujourd'hui, je viens t'annoncer. Année 2024. Et l'année 2024. Le Dieu des cieux qui te fasse le bien. Le bien, je vais les imposer ce matin dans ta vie. Les sorciers qu'ils aiment ou pas, qu'ils acceptent ou pas, on va pas leur demander d'accepter ou de refuser. Mais le ciel, le Dieu aux cieux, David a prié qu'il puisse l'accorder à Bouchima. Qu'il l'a raccordé la vie. David devant Goliath. Le Dieu qui donne la vie aux gens. Il a pris la vie, il a accordé à David. Il a pris la mort et a accordé à Goliath. Que Dieu le suive. Et souviens de toi. De la même manière qu'il a donné la vie à David. Que la vie soit dans ta vie. Ceux qui te combattent toi. Que la mort se détourne de leur côté. Amen. Que le père se détourne de leur côté. Que la haine rentre dans leur vie. Comme on a dit, Amen, Yamunene, Yaimani, Bwana fanye kazi. Amen, Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous barikiwe mujina na Yesu. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous barikiwe mujina na Yesu. Mon frère et ma soeur. Nduku dada. Mungu ni wakufanishi abantu bizuri. Dieu, il fait toujours de bonnes choses. Vile ukona muomba. C'est que tu lui demandes. Et tu te retrouves dans la vie. Comme les serviteurs et servantes. Ama, mutumishi wa Mungu. Tu as sema. Écoute. Dipande bishuki. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Mungu akufanye vizuri. Que Dieu fasse du bien dans ta vie. David anasema hivi. David est en train de dire. Kama unanipatia bushima. Si tu m'accordes la vie. Mitakuya observateur wa parole yako. Je serai l'observateur de ta parole. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Parlez tout bébé Genèse, il est verset Nitendakaishanaï. Prenons Genèse. Chapitre 21. Verset 1 à 6. Genèse, chapitre 21. Genèse chapitre 21, verset 29
première, chapitre 1 à 6. Chapitre 1 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Wamilele akakumbuka bila alimuonesha Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Wamilele akatimiza ila alimuonesha Sarah. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Sarah akapata mimba na kazala mutoto wa Abraham mukubwa wake. Au temps fixé dont Dieu lui y avait parlé. Mu wakati ile Mungu aliweka. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui avait été né. Abraham akamupa jina ya Isaka kwa ule mutoto Mungu alimkaburia. Que Sarah lui avait enfanté. Ule Sarah alizala. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Amen. Amen. Clamons le Seigneur notre Dieu. Nous piquons du corps. Piquons avec lequel? Acclame pour le Seigneur. Piquons avec lequel? Tu peux pousser des cris de joie au Seigneur. Piquons avec lequel? Tu peux fondre là. Que tu pousses les cris de joie. Lequel qui a pu introduire dans la bonne boaco. Les cris de t'introduire dans ta grandeur. Bwana asifiwe. Que Dieu soit béni. Shikia mpendo katika Bwana. Écoute, mon frère, ma sœur. David est konasema. David est en train de dire. Ukiniacha mshima. Si tu me laissais en vie. Mitakuwa mwangalishi wa neno lako. Je serai l'observateur de ta parole. Parole ya nani? La parole de qui? Ni la parole ya Mungu. C'est la parole de Dieu. Alors, oh, parole de Dieu. Amaneno ya Mungu. Ni expression ya volonté ya Mungu. C'est l'expression de la volonté de Dieu. C'est ça. Le kama ile. Encore ni ensemble. Encore c'est l'ensemble. Il y a révélation divine. De la révélation divine. Il est in a tout concerné. Dieu a coupé ta bouche. Ce qui nous concerne pour nous donner la vie. Si nous avons la parole de Dieu. Si nous voyons la parole de Dieu. Nous voyons les pensées de Dieu. Nous avons ama mawazo ya Mungu. Très bien. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Ni mawazo ya Mungu. C'est la pensée de Dieu. Dieu y a cherché à tambour à Mungu pour qu'on puisse connaître Dieu. Dieu y a ouvert corona mawazo ya Mungu Dieu y a pour voir la pensée de Dieu sur ta vie. Consulter la parole de Dieu. Wanse kuanga kuwe anangalisho ya neno la Mungu. Église rocher du salut. L'église rocher du salut. Soyons fondés sur la parole de Dieu. Tukuye watu wakikala pa neno la Mungu. Or ni neno la Mungu. Or c'est la parole de Dieu. Nimule tunavumbula mapenzi ya Mungu. C'est là que nous découvrons la volonté de Dieu. Na mapenzi ya Mungu ni nini? Et la volonté de Dieu c'est quoi? C'est la décision suprême de Dieu. Ni c'est la décision suprême de Dieu. Ni mupango kamilifu ya Mungu. C'est la décision suprême de Dieu. Or mupango ya Mungu. Or, la décision de Dieu, akuna mtu chini ya jua. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre, mama wala baba, mama ou papa, anenea kuibadilisha, qui peut changer cela. Na ile neno inasema, et ce que la parole dit, imesha kusema, ça déjà dit, wewe chunga, toi attends seulement, uone kile neno, tu verras ce que la parole itatenda. Fera dans ta vie. Patia neno la Mungu. Patia neno la Mungu. Donne la parole de Dieu. Uli patia wakati. Donne l'état à la parole de Dieu. Tunakosewa kuishi michezo ya Mungu parce que tupatie neno la Mungu wakati. On ne sait pas
vivre le miracle de Dieu parce qu'on n'arrive pas à donner le temps à la parole. Laissons le temps à la parole et on verra ce que la parole fera dans, la, dans notre vie. Parfois, la parole n'attend pas ça. Si laisse la parole de Dieu agir dans ces temps ou dans les temps bien précis. Très bien. Écoute-moi. Rocher du salut. Le Dieu t'aime. Et ce matin, il t'annonce la bonne nouvelle. Il t'annonce sa parole. Pourvu que tu sois construit sous sa parole. Et que tu vois ce que ta vie. Ça où tu vois les la parole de Dieu, tu. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. Il appelait à l'existence ce qui n'a jamais existé. Il a été capable de toi bien ako kuyako. Parole ya Mungu. La parole de Dieu. Mifunguro. C'est la clé. Il est qu'on a fumé la butasse. Ce qui ouvre la stérilité. Butasse comme pourquoi? Si la stérilité est là. Ce qui a dit quoi? Écoute, je te dis. Le vrai médecin, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La Mungu n'a jamais échoué. Aïe, je ne vois que nous tous on peut échouer. Il y a celui-là qui n'a jamais échoué. Quel que soit le moment. Quel que soit wakati. Si lui entre dans l'action. Il faut que ça puisse réussir. Il faut que ça réussisse. Il faut que ça puisse s'accomplir. Il faut que ça change. David connaît les secrets. Que si tu me donnais la vie, je vais observer ta parole. La parole de Dieu est en train de dire. C'est plus ça plus cher. Bah, prié, papa. Notre appui, c'est la parole de Dieu. Il a quoi neno la Mungu. Tout le monde peut m'abandonner. Mais je vais chercher à ce que je reste avec la parole de l'éternel. Si je reste avec la parole de l'éternel, majoritaire kuliko ba ennemi yangu. Dieu s'est montré à Abraham. À l'âge de 75 ans. Quoi, j'ai 75 ans? Ensemble avec Sarah, sa femme. Dieu l'a dit. Et Dieu le promise. Vous allez donner naissance à un enfant. Vous allez donner naissance. Oui, Abraham. Toi, Abraham, tu seras le père des nations. Et toi, la femme Sarah, elle sera la mère de Melchizedek. Ma soeur, mon frère. Mon frère, ma soeur. Ce que Dieu t'a déjà promis. Même si ça prenait des années. Même si tu arrivais à oublier. Mais c'est lui qui te l'a promis. N'oublie jamais. C'est lui qui te l'a promis. Il est fidèle. Il est derrière ses paroles. Même s'il y a des années, les enfants du rocher des salut. Restons fidèles à Dieu. Tu vas qui est comme il y a mon. Restons fidèles à la parole de Dieu. Tu vas qui est fidèle aux paroles y'a. Tu vas voir qui les paroles est à faire. Nous verrons ce que la parole fera. Je t'ai dit quoi dire. Laisse-moi t'écouter. Les années peuvent passer. Les années passent. Sarah en a choqué. Sarah est fatiguée. Anakuya impatient. Elle est devenue impatiente. Anangaria âge quoi. Elle a regardé l'âge qu'elle avait. Anangaria Abraham. Elle a regardé Abraham. Elle a dit ça, il n'y aura rien qui va se passer. Ma soeur, mon frère. Il y a un cas qui m'a laissé au choc. Au moment qu'ils étaient fatigués. Ils étaient à la montagne. Wakati ya jua.
pendant le soleil. La Bible est en train de dire. Ils ont vu trois personnes en train de venir. La Bible est en train de dire. Abraham l'Abraham les accueillant. Au moment il les a accueillis. Ils étaient à toi. Au lieu qu'ils puissent les rappeler à leur nombre. Mais il les a appelés. Il les a appelés mon Seigneur. Ne passez pas ici. Vous êtes passé ici. Pour que moi, Abraham, le serviteur de Dieu, que je puisse m'occuper de vous. Abraham, il a fait le nécessaire. Que j'aille écouter la même. Au moment qu'il a fait le bien, écoute les paroles des serviteurs de Dieu. Il a dit l'année prochaine, à cet temps-ci, ta femme, Sarah, va prendre l'enfant. Elle va enfanter. Sarah a écouté. Sarah commence à sourire en se regardant. C'était impossible. Écoute-moi. Toi qui penses que tu vas pas réussir, ce sont les pensées humaines. Mais les pensées de Dieu, c'est pas les pensées de l'homme. C'est pas les pensées de Dieu. Ce sont les pensées qui sont au-dessus de tout. Il a déclaré au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Rocher du salut, Rocher du salut, c'est 2024. 2024. Miracle au nom de Jésus. C'est pour toi au nom de Jésus. Miracle katika jina la Yesu. C'est pour toi au nom de Jésus. Miracle katika jina la Yesu. C'est pour toi au nom de Jésus. Sarah ne croyait pas. Sarah a chikuichike. Que mille Sarah. Et que moi, Sarah, je pouvais aussi tenir l'enfant dans mes mains. Sarah avait les pensées que comme je suis, c'est de la même manière qu'on va m'enterrer. On va pas t'enterrer comme tu veux. Tu vas pas passer sous la terre comme tu veux. Si les parents ont échoué, mais la parole de Dieu a de ce qui va accomplir dans ta vie. Si tu disais amen, que ça puisse arriver, amen. La parole est en toi. Un jour, Sarah, elle s'est retrouvée dans un état quelconque. Les problèmes ont commencé. Mambo et Kanza. Le problème a commencé. La parole de Dieu. Rocher du salut. Rocher du salut. Et pour Africa. Ça peut t'habiller. Ça oublie à moun. La parole de Dieu. Et là pour coucher à Gary. Ça peut t'acheter des véhicules. Ça oublie à moun. La parole de Dieu. Et là pour vous sanctifier. Ça peut vous sanctifier. Ça oublie à moun. La parole de Dieu. Dans Yako. Dans ta vie. Dans Yako. Au dedans de toi. Jour on a été tout au roi. C'est comme ça que tu vas appeler. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas jamais être appelé enfant de Dieu. Tu as appelé enfant de Dieu. C'est par rapport à qui qui condamne moi. C'est par rapport à ce qui est au-dedans. Na qui qui condamne à quoi? Et ce qui est au-dedans. C'est sa parole. La parole de Dieu. La même là que. Moi, quand il est Abraham. Au moment où Abraham. À quoi na chungusa. Il était en train d'étudier. Il attendait la parole de Dieu. La même la même. Il quoi ça amenait l'endroit où il y avait le souci. Il allait pour ça apportait la joie. La parole n'a jamais joué. Neno aïe chinois kaka. Je te déclare au nom de Jésus. Regardez ma soeur, mon frère. Angari en dukudada. Bible connaissez-moi. La parole est en train de dire. Mwanzo. Au début. Ulimwe bilikuwa mtupu. Le ciel était vide. Ulimwe ikukuwa na kitu. Le ciel n'avait rien du tout. L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et la parole est en train de dire. L'Éternel parla. Que la lumière soit. Et la lumière fut.
La parole de Dieu. Ça la puissance. De donner à la personne quelque chose. Ce que les hommes sont incapables de donner. La parole de Dieu. C'est différent de la parole des hommes. Si les hommes parlaient. Virgule. Qu'ils parlent, qu'ils mettent à la virgule. Mais c'est lui qui met le point. C'est le Dieu créateur. C'est la parole de Dieu. Nous menons la lumière. Dieu est en train de parler. Que la lumière soit. Et la lumière joue. Qui peut parler comme Dieu? Donne ta foi en Dieu. Donne ta foi à la parole de l'Éternel. La parole de Dieu ne déçoit jamais. Mais quelqu'un peut te décevoir. Mais la parole de Dieu ne déçoit jamais. C'est lui qui met sa foi dans la parole de Dieu. Vous allez le voir. Attendre de gloire en gloire et de puissance en puissance. Il va monter de gloire en gloire de puissance en puissance. Qui agit? C'est la parole. C'est la parole de la Dieu. La parole et l'amour. La neno l'amour. C'est l'homme de Jésus. Ni Jésus Christ. Ni mutu à Jésus. C'est Jésus Christ. Dès que tu reçois Jésus dans ton cœur. Comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Ama mungu. Sache que tu as laissé la parole de Dieu vivant. La parole est en train de dire ici. Ils se sont approchés de la force de la parole. On les a envoyé la parole. Et la parole les a sauvés. Et la parole les a guéris. Mon frère dans l'Éternel, marche sous la parole de Dieu. Reste sous la parole de Dieu. Je te dis ensemble avec la parole de Dieu. Tes ennemis seront nombreux. Mais la parole de Dieu va les disperser sur des milliers de chemins. Église Chikia. Écoute-moi. Dieu ne voulait pas nous laisser nous seuls. Il savait si on restait seul. Satan va nous gagner. Satan va nous gagner. Dieu avait ma parole. Et il a pris la parole. Il l'a envoyé dans le monde. Et cette parole est venue dans le monde. C'est Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Naikaikana kati yetu. Pleine de grâce. Yenye kuchwaza na neema. Et de vérité. Na uaki. Et nous avons contemplé sa gloire. Na tukaona utukufu wake. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Utukufu kama utukufu wa mtoto mpeke wa baba. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Hapa Biblia kuna tuami. Ici la parole est en train de nous dire que il est parole et que cette parole qui était au commencement, il quoi au mwanzo, il n'a keuka kuya mwili, ça prit la chair. Na ile mwili et cette chair il a quoi kuishi katikati yetu. Est venu habiter avec nous. Na ile mwili et cette chair, le moine en péché wa baba, c'est le Fils unique du Père. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Ndoku katika Bwana, kama uko na parole, si tu as la parole, tu as le Fils. Tu as le Fils ama uko uko na mwana. Kama uko na mwana, si tu as le Fils, tu as la parole. Uko na neno. Sasa mtu leko na neno, est la personne qui a la parole a
Il faut qu'il soit conduit par la parole. Il faut que la parole les conduise. Et s'il est conduit par la parole, même si le combat s'est levé, même si on les toisait, même si on parlait, mais ce qu'il a à l'intérieur de lui, la parole de Dieu. La Bible est en train de dire, vous les petits enfants, vous l'avez gagné. Parce que vous les condamnez. Parce que c'est lui qui est au-dedans de vous. Il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. Que celui qui est dans le monde. Rocher du salut. Rocher du salut. Ne vous voyez de la manière que nous sommes. Il est qui amana. Ce qui est nécessaire. C'est celui qui est au-dedans de nous. Amen. Ne pas jamais. Amen. C'est lui qui est au-dedans de nous. Il trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Amen. Il donne la bénédiction là où il n'y avait pas la bénédiction. Il donne la guérison là où il n'y avait pas la guérison. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Mubarikiwe mujina la Yesu. Soyez bénis au nom de Jésus. Mubarikiwe mujina la Yesu. Mais au moyen de la parole de Dieu. Moi, au moyen de la parole de Dieu. Mais si kuone ki mina kuona ki vino kupana. Aina vile mina kuona. Je ne te vois pas comme tu es là. Mie mina kuona patron ou le kon engagé na bantu bakaji. Je te vois un patron qui est en train d'engager. Ne te demande même pas, ça va commencer comme le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est celui qui agit. C'est lui-même qui connaît les chemins par lesquels il agit. C'est lui-même qui connaît là où il va commencer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pierre a demandé qui était. Pierre est en train de dire. Je n'ai ni or ni argent. Ni China, ni Makuta, ni or. Mais qu'il est ni Konak. Mais ce que j'ai. Qu'il est ni Konak. Ce que j'ai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'amour katembeya. Lève-toi et marche. Rien n'est impossible, frère et sœur à Dieu. Akuna kianguvu kumbele ya Mungu. Mais tout est possible à celui qui croit. Na binawezekana kwa ule anaamini. Je crois ce matin. Mina mina subuya leo. Puissance ya parole. Kupitia puissance ya neno. Mina mina busubuya leo. Je crois ce matin. Kuwezo ndani ya neno. La puissance dans la parole. Mina chua kile neno tafaka kwa maisha. Je sais ce que la parole fera dans ta vie. Bisa wiki niko nakutangazia. La parole que je t'annonce. Sio yangu. Ce n'est pas ma parole. Mais c'est la parole de Dieu. C'est pas moi qui écris la Bible. Mais dans la Bible, il y a les écritures de Dieu. Pierre est en train de dire. Il dit à cet indicateur. Je n'ai ni argent. Je n'ai ni or. Mais ce que j'ai. Au nom de Jésus, ce matin, toi qui étais enfermé à Chénère, dans le temps, par le diable, il a fait l'erreur. Parce qu'il croit que la tambouka 2023. Il a laissé de traverser l'année 2023. Puisque tu as déjà traversé, je commence à te dire en tant que père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'appuie sur la parole. Que la parole de Dieu ce matin. Que la parole de Dieu ce matin. Il appelait l'existence qui n'existait pas dans ta vie. Qui était une cause pour exister pour ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Il ordonnait. Que ça puisse ordonner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Jésus. Aux choses invisibles. Aux choses invisibles, mais je ne sais pas pourquoi. Les invisibles. Puis on est calé. Comme on a fait amen. Si tu disais amen. Que cette grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que cette grâce. La calme, il est. La parole est absolue. De la parole de ce matin. Il peut caler chez mon confort. Que ça puisse te mettre dans un confort. Écoute, mon confort au nom de Jésus. Que ça puisse te mettre dans un confort. Écoute, que ça te transporte. Écoute, mouche. Que ça puisse te faire traverser. Au nom de Jésus de Nazareth. Mouchina la Yeshu. Commence à traverser. Mipaka. Les limites. Masemo. Les paroles. Diabloche. De la sorcellerie. Il va du semestre avec du jour. Ce qu'on a dit, tu ne verras pas le bien. Il va du semestre quoi la fura. Ce qu'on a dit que tu n'auras pas la joie. Mais bien quoi il va toi la sema. Ces frères, ce sont les hommes qui ont dit cela. Mais qu'on a quoi dire. Mais je suis en train de t'annoncer. Ma sema la banque. Les paroles des gens. Léo. Aujourd'hui. Je les mets ensemble. La ma sema la vie toi moussa la ba. Avec les paroles des de la parole de l'homme de la croix. La Bible dit. La parole de la croix. La parole de la croix. C'est la folie pour ceux qui sont perdus. Mais c'est la puissance. Pour nous qui avons cœur de chacune. Je libère la puissance de la parole. Il attache la puissance à l'aise. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère cette puissance. Mina tuma il est puissance. Qui est dans la parole? Il condamne à l'éno. Oui, bien aimé. Oui, du Kuyangu. Oulèche Kutambuka. T'as déjà traversé. Bible est connaissée. La Bible est en train de dire. Tu es passé plus aux événements passés. Mouchikumbu ke bitu yakupita. Mouchikumbu ke bitu yakupita. Ne pensez pas aux événements passés. Mouchikonsidere. Bile biko biazaman. Ne considère pas ce qui est ancien. Mais regarde, 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 je suis capable, au nom de Jésus. Amen. Viens-y. Que ça commence. Viens-y. Que ça commence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Paniquez. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a sa boire. J'ai dit, Seigneur Jésus. Nous avons la le Dieu de la Bible. Nous avons la c'est un Dieu vivant. L'éno la la parole de Dieu. Il que comme ça retourne jamais derrière. Devant quoi que ce soit. Amen. Avant toute chose, la parole de Dieu ne te tourne pas. La parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est comme une semence. La parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est comme la pluie. Si on mettait une semence et que la pluie tombe, la semence va pousser. Je te le dis au nom de Jésus. Qui condamné là. Ce qui est au-dedans de toi. Il est mbeko qui est la parole. C'est cette semence qui est la parole. Écoute-moi. Mungu waro mzuri. Le Dieu est un bon cœur. Mungu waro mweupe. Le Dieu est un cœur pur. Vile oui comprendre. Comme tu es mon frère. Sande kwa taba likali ya. Même si on s'est assis. Même si on a mis des pierres, c'est tout, c'est fini. Même on a dit c'est tout, c'est fini. Mais je t'annonce.
On te donne de la semence et à la puissance de contourner cette pierre. C'est qu'on arrive. La semence va marcher. Là où la pierre finit, la semence est faite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi cette année. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je commence à te déchaîner. Partout où t'as enchaîné. Ce matin. Qui est entré ici malade. La Bible est en train de dire. La parole de Dieu dit. Parole de Dieu. Bonjour au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel que soit tu n'es malade. Quel que soit le nom de ta maladie. Quelle que soit la résistance. Quelle que soit la résistance. La maladie aux enfants qu'aux grandes personnes. Il a déclaré, vous suivez. J'ai déclaré ce matin. Ouais, maladie. Toi maladie. Ouais, maladie. Toi maladie. La chabayako. Avec ta maladie. Avec tes problèmes. Je ne te vois pas comme tu es. Je te vois avec les yeux de la grâce, de la foi. Les yeux de la foi. Est en train de me dire ceci. Ce que tu es maintenant, que ça ne puisse pas te faire. Mais je te vois demain. Tu as des magasins. Amen, je le sois. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma soeur, mon frère. Tout dada, beaucoup. Parole à Mungu comme un ministre na mwenyaki. La parole de Dieu, c'est une parole de fidélité et de vérité. Parole à Mungu. La parole de Dieu. Mimo un ministre na mwenyaki. Est fidèle et de vérité. Depuis aux cieux, il a fait à ce que nous, ses enfants, que nous puissions connaître la parole, qu'on puisse découvrir la pensée de Dieu dans nous. Et c'est exact. Nous voyons des grandes choses. Si nous demandons à Jérémie, il est en train de nous dire que Dieu a dit ceci. Regarde ce que j'ai déjà prévu pour toi. Ce que j'ai déjà préparé pour toi. Ce ne sont pas des paroles en vain. Mais ce sont les plans heureux. Dans la parole de Dieu. Nous n'aimons pas l'amour. Prenez la parole de Dieu. Nous-mêmes n'aimons pas l'amour. Et on gosse, ma chérie. Que ça conduise votre vie. Beba n'aimons l'amour. Prends la parole de Dieu. Mets-les dans ta vie.
Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu verras là où la parole de Dieu va t'amener. Et tu verras là où il t'a amené. Et tu diras que c'est réellement il y a un Dieu. Et cet homme, et il est, c'est Jésus de Nazareth. Laisse qu'on puisse te prendre tout. Laisse que les gens parlent. Le membre de Joseph. Les membres de famille de Joseph. On les a arrachés la tunique de plusieurs couleurs. Parce que ça, c'était un signe qui montrait que son père l'aimait. Malgré que ses frères l'ont arraché. Mais le Dieu des cieux. Il a fait introduire Joseph dans la maison de Pharaon. Na Joseph banamuvika nguo ya kifalme na pete ya mfalme mu nyumba ya mfalme. Et Joseph, on l'a fait habiller la bite de roi et au moins la bague de roi dans la maison du roi. Gardons la parole de Dieu. Tu tchungenelo la mungu. Marchons avec la parole. Tu t'embêtes na neno. Tu verras ce que la parole fait. La parole est en train de dire. Il faut la fin d'une chose. C'est ni qui a la zima. Mishe a dit tout. Kama manzo. Il y a la zima. C'est la fin de la chose. Quel est le commencement? Que son commencement. Rocher du salut. Rocher du salut. Trois et chine. Commençons les pas. Je t'en pas ma coupande. Et qu'on commence à monter. Kuliko kwanja yuru. Que commencer en haut. Je la kusuka. Pour descendre en bas. Abana. Non. Troisième matesso. Commençons dans la souffrance. Tu loues chez Benyewe. Connaissons nous-mêmes. Il est tout à l'usaka parcelle. Comment on va pâter la parcelle? On a commencé à payer avant. Mais Chikumoya. Et un jour. Nous avons payé la parcelle. Chikumoya. Un jour. Nous avons payé pasteur Flani Motoka. Nous avons payé le véhicule à un pasteur. Nous avons payé la maison à un pasteur. Nous l'avons mis dans un confort. À cause du confort dans lequel. À cause du confort dans lequel. Et il va commencer à déclarer. Il va commencer à vomir tes bénédictions. Et si nous voyons aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait un travail. Nous allons témoigner, bien-aimés. N'a tout à témoigner, et nous témoignerons le Seigneur notre Dieu. N'a tout à témoigner, Yesu. Soyons attachés à la parole de Dieu. Tu vas qui écouter l'amour. Mes enfants. Je n'ai pas de choses à vous donner. Si ce n'est que la parole de Dieu. Je peux te donner à manger. Je peux te donner l'argent. L'argent et les habits finis. Mais la parole de Dieu. Mais la quelle est l'amour? Ça ni commencement ni fin. Martha n'a pas dit à Jésus. Martha est en train de dire à Jésus. La carte Marie a dit qu'elle a connu que le Jésus. Au moment où Marie s'est assise à ses pieds, en disant Seigneur, est-ce qu'il couche? Est-ce que c'était important? Quoi oui, mon amour, tu as dit qu'elle a connu que le Yako. Que cette femme s'assoit à tes pieds. Au moment que moi je suis à la cuisine, on a préparé chikuku. Au moment où je suis en train de te préparer, on a préparé minof. En train de te préparer la viande, ni qu'on a fait un resto mzuri. En train de te faire un bon resto, ni na tafuta ni kofiri bitu yenye kwene. Je cherche à t'offrir les choses. Mais pas parler kuya tugawanyane akili. On dit qu'elle vienne qu'on se partage les cartes. Mais angalia vile nikala kumikuru ya. Mais regarde comment elle s'assoit. Bwana umwambie. Seigneur, dis-la. Akuya nisaidie. Qu'elle vienne m'aider. Yesu anamwambia Martha.
Jésus me dira. Tu es en train de penser maintenant tout un temps de te confier des choses vers nous. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses alors que ce sont des vaines choses. Mais ce que ta sœur a choisi, personne ne peut l'arracher. Personne ne pourra l'arracher. Marie a choisi la parole de Dieu. On peut t'arracher la Bible, mais on ne peut jamais t'arracher la parole. Reste assis dans la parole de Dieu. Parole de Dieu, la parole que je chante c'est promotion dans la cage. Ça peut t'amener la promotion dans ton travail. Tu travailles avec les gens. Tu ne connais pas leur cœur. Ils peuvent monter pour te faire sortir. Mais parole de Dieu. Mais la parole de Dieu peut entrer au dedans du chef. Au moment où il regarde ton dossier, il dit celui-ci n'a jamais eu de problème. Je ne peux pas les licencier. Je te bénis cette année que ton travail s'élève. Je bénis le travail de tes mains. Que ton travail puisse avancer et prospérer. Soigne ton faout, mon cas. La Bible est en train de dire. Mitaweka tofauti. Je mettais la différence. Kachikati abale bananitumikia. À ceux qui me servent. Nabala banitumikia. Et ceux qui ne me servent pas. Wero natumikia ka sauti ya wamilele. Toi qui sers la parole de Dieu. Wamilele aweke tofauti. Onode. Onode. J'ai la différence de suivre. Écoute, Mungu kame kondania. Si Dieu est au-dedans de toi, ni bia kwe. C'est vrai. Tofauti tonokana. La différence va se faire toi. Itonokana. Ça va se faire toi. Mais basauti ya Mungu batoto roche bisa. Prends la parole de Dieu. Mungu tumikia Mungu. En servant l'Éternel. Na machekumi yenu. Avec vos dîmes. Maction de grâce. Avec vos actions de grâce. Les offrandes. Avec les offrandes. Faites de grandes offrandes. Cette année, sans pour autant se fatiguer. Sans pour autant compter à Dieu tout ce que tu as fait. Mais bizuri, yuri ya bizuri. Pour faire le bien sur le bien. Mungu kazi mu en faisant le travail de Dieu dans la construction. Utaona kile Mungu atafanya. Et tu verras ce que Dieu fera. Mungu anachana na bantu bien-aimé. Bien-aimé. Bantu banaweza kukuencourager mu bitu abana na kile banafanya. Les gens peuvent t'encourager dans les choses. Mais kama mtu mwa Mungu anakuencourager mu mambo, Mungu atatenda. Mais si Dieu t'encourage dans les choses, Dieu fera. Bwana kubariki. Amen. Unaona nduku moja tuliombea dernièrement hapa tulikuwa na Frank. Bwana kubariki sana. Amen. Mungu yuko na tenda. Dieu agit. Na ule nduku dimanche passé a quoi en kanisa. Et ce frère le dimanche passé était. Il fallait pister coopération. Il a fallu qu'il passe sous l'opération. Ma pas sous l'entoumo. Qu'on puisse l'opérer. Bangarie mabutumbo benye kujifunga mu estomac mambo yenye kwacha. Qu'on puisse voir le comment est-ce que ça s'est déjà compliqué dans le corps. Na mu estomac mnesha kwenda kikala kifurushi kya damu. Et dans l'estomac il y a une boule du sang. Bwana tubariki. Amen. Mungu eko na tenda. Dieu agit. Mungu eko hapo. Dieu est là. Mimi nakutangazia Mungu wa kutenda. Je t'annonce Dieu qui est là. Mimi nakwambia sema vile wiko au tanuria vile wiko. Nous avons trouvé ces frères dans l'hôpital. Wakati tulengia. Au moment où nous sommes entrés. J'ai prié. Il a prié. J'ai prié. Il a prié. Minaomba. Il a prié. Minasema Mungu. Il a dit Seigneur. Tu dois faire quelque chose. On n'a pas chez Fanya qui. Mon Dieu. Mon Dieu. Pas Kevin Bananita. De la même manière qu'on m'a prié. Que cette situation. Que Imambo. Il change. Que ça change. Mina Chakom. Il a fini à prier. Mina Mambia Frank. Il a dit au frère. Mina Sema Frank. Frère Frank. Abuta Kachika. Abuta Kachika.
Il ne parle même pas à la toilette. Il ira. Tout est à fond. Son ventre va se faire. Et nous sommes sortis. C'est à 4h du matin. À 4h du matin, on l'a appelé. Papa, tout le monde a papa, nous avons vu le miracle de Dieu. Docteur, nama ma cliché y a qui a opération. Le docteur avec le matériel d'opération. Anachima ma malaria. Il s'est levé et le regarda. Il lui a dit. When the tel andré baban de mère ma photo. Vas-y qu'on puisse encore te prendre d'autres. Pour la deuxième fois, ma nanouya photo. Pour la deuxième fois, ils sont rentrés. Il a toqué. Et c'était sorti. Achina na malaria. Dans son palais tout s'écrie. Dans son palais tout s'écrie. Dans son palais tout s'écrie. Mina tangaza mwisho ya operasyon ya koni le onode. Onode. Oui. Toi. Amina. Bamunganga. Le médecin. Ba koopere abita fani. Koopere, ça va pas se faire. Katika jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbingu. Le Dieu des cieux. Mungu la linita. Le Dieu qui l'a. Ananiweka kama malaika wa rocher du salut. Il m'a mis comme un ange du rocher du salut. Kutoka hapa sasa. Dès aujourd'hui. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Miko natangaza. J'annonce. Poke ya nema. Reçois la grâce. Au talala hôpital 3 jours. Bamba isa utimi na konesha kwanza leo. Amen. Na vile kutenda kaisha mwaka. Au talala mo 3 jours. Amen. Kama unaingia busubui mangari utatoka. Si tu entres le matin, le soir tu vas sortir. Kama unaingia busubui mangari utatoka. Si tu entres le matin, le soir tu vas sortir. Kama unaingia busiku busubui utatoka. Si tu entres le soir. Mimi njoo baba yako ninasema. Amen. Mungu wa mbingu akuone. Amen. Onode Jésus. Tushimamie yule. Amen. Leo ni siku ya upekee.